c'est parti pour 9 jours de fête. Sur la place de l'hôtel de ville, une véritable marée humaine. Des dizaines de milliers de personnes venues pour les fêtes de la Sainte-Fermine. Le coup d'envoi est à peine donné, la ville bascule dans l'euphorie. Les habits blancs traditionnels passent au rouge après avoir été arrosés de sangria. Chaque année, les touristes se mêlent aux habitants, des Américains notamment. Un clin d'œil à Ernest Hemingway qui avait popularisé l'événement dans l'un de ses romans. Et dès lundi à 8h, ils participeront au célèbre lâcher de taureaux dans les ruelles, direction l'arène de la corrida, une tradition ancestrale de plus en plus critiquée. En marge des festivités, plusieurs associations de défense des animaux ont protesté contre les mises à mort des taureaux. Ils jugent ces pratiques barbares et regrettent l'apport joué par le tourisme dans le maintien de cette tradition.